Alors, je m'appelle Alain Barral. Je tiens le restaurant La Gravette, qui est dans la famille depuis 2 générations, bientôt la 3e. On est spécialisé surtout dans le poisson, même si je coupe de l'ananas. Et notamment la soupe de poisson qu'on a toujours fait, suivant la recette de maman, qui lui avait été donnée de la mère Terra à Théoul. Donc dans une grosse marmite comme ça, on met d'abord de l'huile à chauffer. On met les oignons à revenir. Quand ils ont bien pris couleur, on rajoute le poisson par-dessus. On fait encore revenir donc le poisson, en même temps que les oignons. Ça va roussir, ça va prendre couleur. Quand ça va commencer à pincer, on va mouiller à l'eau chaude et on va laisser bouillir environ 1h15, 1h30. Après quoi, on va la sortir et on va la passer à la moulinette. On fait des soupes de poisson avec 10-12 kg de poisson dedans. Mais un particulier, pour 3-4 personnes, il faut compter 1 kg, 1 kg 2 de poisson, plus les oignons et les ingrédients, quoi. Là, on arrive à faire une soupe de poisson qui se tient quand même et qui a du corps. Il ne faut pas oublier de mettre pas mal d'oignons parce que c'est ce qui va donner du corps un petit peu à la soupe. Voilà, alors ça c'est du poisson de soupe, moi je fais avec de la blancaille, bon il y a un petit peu de rascasse, un peu de poisson de roche. Et c'est tous les pescailleurs du coin, là. Il y a Laurent, il y a Denis, il y a Jérôme, qui en fait tous ceux qui travaillent là, Stéphane. Parce qu'en fait ils n'ont pas un gros débouché sur la soupe de poisson, sur la soupe blanche comme ça. Donc j'achète pratiquement toutes leurs pêches que je stocke. Ma mère a donc acheté un 15 août là, et puis petit à petit elle a remonté l'affaire et moi j'ai repris tout seul dans les années 80 avec ma femme quoi, bien sûr dans les années 80 et puis là cette année ça va faire donc 2008, ça va faire 50 ans que la Gravette est dans la maison, on va fêter le jubilé au mois de septembre vraisemblablement, donc les télévisions locales, nationales et internationales seront conviées bien entendu, on va faire une fête. Et moi, ça sera ma dernière saison. À la fin de la saison de 2008, j'arrête, je prends la retraite. Et là, je partirai un peu à la pêche, je profiterai de mes petits-enfants, du bateau, on ira un peu en Italie, on ira un peu de partout. Voilà. Si tout se passe bien, que Dieu nous prête vie.